Okay. Risk disclaimer: trading futures involves substantial risk of loss and is not suitable for all investors. Past performance is not indicative of future results. Okay. Jean-Marc, I'm sorry, let me go through a few more things here. If you guys want to give Bookmap a try, this is where you can find it. It's going to be under the pricing tab at bookmap.com. Our special is over, we had a lot of requests about that special, so I just wanted to let you guys know that it ended at midnight last night. Okay, now this is recorded, and I'll show you where that is. You can find it here under the portal, under this education tab, and then Bookmap recorded webinars. You can click here for the playlist, and that will take you to the YouTube page, and you can find it here as well with all of the of this month's Pro Trader webinar traders that we have here, as you can see. Okay. I also want to point out Jean-Marc's YouTube channel here. I'm going to put this into the chat for you so you guys have it, and I will do it later as well. Okay. And his Twitter feed here. You might want to check out his YouTube channel. There are hundreds of videos here. Like I said, Jean-Marc was an early adopter of Bookmap. These videos go back to 2014. All right, very active on his YouTube channel. He is primarily a scalper. So let me get into the introduction here. Jean-Marc, he's a prop trader, primarily trading his own money. He's self-taught with a scientific background. Just a lover of the sciences and math, statistics, and probabilities, and has been trading since 1999. So a lot of experience. He specializes now in the market microstructure and order flow analysis. So he's a scalper, and like I said, Bookmap early adopter. And you'll see most of his positions rarely last more than a few minutes. Okay, so Jean-Marc, he speaks English, he has a student, Corey, on the line here who will translate to him as well. So Jean-Marc is going to go through his process, and then we'll have Corey get on and explain anything that might need a little bit further explanation. Okay. All right, guys. So, Jean-Marc, thanks for coming and welcome. Let me turn it over to you. Thank you. Hello, everybody. So, I don't speak English. I share my screen. Do you see my screen? Yes. Do you hear me correctly? You sound great. Okay. Donc, je suis français. Je vais parler français, mais bonjour à tous. Hein. J'ai avec moi un ami qui va traduire ce que je dis au fur et à mesure, quand j'aurai vraiment besoin. So, my name is Jean-Marc Soulieu, and I'm an order book trader, scalper. I'm a retail trader since 15 years with my own money. And I have a YouTube channel, Bronson Chart Trading. Like I say on the PowerPoint here, I'm a scalper and swing and intraday a little bit. At the end of the day, I'm flat, no overnight and no overweek. I trade on Eurex, FDAX, Bund, Eurostox, on CME, E-mini SP500, 500, 6E, 6B, on NYMEX crude oil, and on CBOT T-notes,
10 years not. My tools are the order book, the time and sale, and the market profile, volume profile, footprint, and book map. I will explain why a little bit the market internals like NICTX, eSyncs, advanced decline, and that's it. So let's go. Alors, aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur ma méthode de trading, la méthode de trading que j'utilise. Mais évidemment, le trading, il faut bien être conscient que ce n'est pas qu'une méthode de trading. Ce qui fait qu'un trader est efficace, profitable et régulier, c'est un équilibre entre quatre compartiments essentiels, le money management, le risk management, la psychologie et enfin la méthode de trading. Si tu veux, Corail. Yeah, so basically, I think everybody kind of understood, but there are four pillars that makes a trader efficient and regular, profitable on a regular basis. And so today we'll focus more on the method, but obviously the money management, risk management, psychology are the other three pillars that you have to master. But anyway, that's not the focus today. So Jean-Marc will dive more into the method. Okay. Donc, comme je le disais au début, Je suis un trader au carnet d'ordre. I'm an order book trader. Et, la question est, what is an order book trader? Qu'est-ce que c'est un trader au carnet en fin de compte? Qu'est-ce qu'un trader au carnet fait en fin de compte toute la journée? Eh ben, tout simplement, un trader au carnet, c'est avant tout un expert dans la lecture et la compréhension de l'action des prix, du price action. In my opinion, an order book trader is an expert in the reading and understanding of price action. C'est surtout, c'est la première chose. Vous voyez sur l'écran là, j'ai essayé de représenter un petit peu ce que font les prix en temps réel dans un carnet d'ordre. Les prix dans un carnet d'ordre, je pense que vous connaissez tous le principe d'un carnet. Les prix dans un carnet d'ordre montent, descendent, remontent, descendent, un peu comme les flèches là. Hein. Le prix est ici, et ça monte, ça descend, ça remonte. Ça reste un petit peu comme ça, ça remonte, ça redescend. Donc, on est expert dans la lecture du price action. C'est la première chose importante qu'il faut savoir. Corail, tu penses qu'il faut traduire ou... I don't know, but well, price action, I think everybody understands. And Jean-Marc was just explaining the first thing to kind of mastery or expertise is looking basically at the price action. So those you see in your DOM or price ladder that the prices go up and go down, and that's this reading that Jean-Marc is mentioning as the most important thing in reading the price action. Yes, it's the most important thing, and for the tape reading, it's the same thing. We must be expert in the reading of price action. It's really the first really important thing. Ensuite, le price action, donc, en fin de compte, qu'est-ce que c'est? What is the price action? En fin de compte, l'action des prix, de quoi ça découle? De quoi vient l'action des prix? L'action des prix nous apprend beaucoup sur le contexte marché, the market context. L'action des prix nous montre si on est en,
en trend, en range, si nous sommes dans un marché drivé uniquement par un flow acheteur ou vendeur, un flow driven market, un bull market ou un bear market. Bref, le contexte marché dans lequel on se trouve à tout instant et qui est défini par le rapport entre les acheteurs et les vendeurs et leur jugement de la juste valeur du prix, c'est ça l'action des prix, c'est ça le price action. Les vendeurs et les acheteurs doivent prendre une décision sur ce qu'ils pensent être la meilleure valeur du prix, et on a des phases de range, des phases de trend, des phases de marché très directionnel qui l'une après l'autre. Et notre travail, c'est d'identifier et de comprendre ce contexte marché en lisant le price action avec le carnet d'ordre et le tape. Corail, si tu veux. Yeah, I'll try to summarize. So basically, the price action shows and is part of the market context, which is, I mean, it's something that's constantly changing, but we have to understand and see what the sellers and buyers, how they interact. Are we in a context of a ranging market, imbalanced market, or imbalanced market, like a driving market, flow-driven market, etc. So as a trader, we must identify in which kind of context we are. Okay. C'est notre premier travail. Premier travail d'un trader qui trade au carnet et au tape. Ensuite, pour nous aider dans cette lecture du price action et dans cette compréhension du price action, on va pouvoir utiliser ce que l'on appelle l'order flow. On doit connaître les mécanismes du principe des enchères, l'auction market theory. On doit comprendre cette interaction entre les acheteurs et les vendeurs. On doit absolument savoir décrypter qui agresse qui est plutôt passif, les acheteurs ou plutôt les vendeurs, et qui devient plus agressif, plutôt les acheteurs ou plutôt les vendeurs. Donc, l'order flow va nous aider dans cette lecture du price action. On va coupler à la lecture du price action la lecture de l'order flow. OK, it's in yellow here. Order flow reading. Donc, Corail, comment pour dire que donc la lecture du price action, faut la coupler à la lecture de l'order flow. Tu pourrais. So basically, we have to. It's a kind of the different parts of a puzzle that we have to put together, and the order flow reading, the auction market theory, the auction, and the interaction between buyers and sellers. This part is the order flow. Basically, it's also part of the understanding of the market context on top of the order book and well, the previous pages we have seen until now. Et donc, c'est pour ça que Bookmap va être un avantage vraiment concurrentiel. Bookmap is your edge. C'est un avantage concurrentiel sur les autres traders parce que sur un seul et unique outil, on a le price action sur la map, on a les ordres limites versus les ordres marché, limit order versus market orders. Nous avons les ordres limites ajoutés et annulés. Nous avons le delta, nous avons le volume profile, le cumulatif delta. Nous pouvons voir aussi the big players with the large lot tracker. We can see big players, HFT algo, execution algo. So Bookmap, it's an all-in-one.
and it's what Bookmap is your really is your edge. C'est bon, correct, tu penses? Yeah, I don't think I have anything to add. Okay. So, donc avec Bookmap, on a vraiment tout ce dont on a besoin pour faire ce que j'expliquais au début du webinaire, lire le price action et confronter, mettre en relation ce price action à l'order flow. Nous avons tout sur le même outil. C'est pour ça que Bookmap est vraiment un outil essentiel pour moi, je pense. Également, je trade directement dans Bookmap et avec le one-click trading. Et je connais le carnet d'ordre de Titi, Xtrader. Je pense que vous savez que c'est un des meilleurs carnets d'ordre au monde. Et je trouve que l'exécution dans Bookmap vaut largement l'exécution dans le carnet d'Xtrader. Il n'y a aucun souci, l'exécution est au top pour le scalping et même pour l'intraday. Donc voilà, on a un outil tout en un. Ok, so maybe I can just add on the execution. Jean-Marc was mentioning he was used to use Xtrader, which is a well-known trading platform. And on the execution side, he's very satisfied with the execution. It's at least as well performing in Bookmap, trading in Bookmap than trading in Xtrader. Ok. Alors, je n'utilise pas que le carnet d'ordre et le tape, donc Bookmap. J'utilise aussi d'autres outils pour toujours la même chose, pour m'aider à lire l'action des prix et m'aider à lire et à comprendre le contexte et la structure du marché. Alors, quels sont ces outils que je rajoute à Bookmap? Okay, so we Jean-Marc will show the other tools because obviously for the context for the price action, he has other tools, and so that's what he's going to show now. Voilà. Donc, en plus de Bookmap, j'utilise le market profile, le volume profile et le footprint. Et comme vous voyez à droite, là, j'utilise aussi quelques autres outils comme les volumes bars, les volumes classiques, le VWAP, le cumulatif delta, le delta, les nicetic, quelques market internals, mais surtout, le market profile, le volume profile et le footprint. Pourquoi j'utilise ces outils? Pour moi, on va commencer par le market profile. Le market profile, c'est une représentation graphique des prix par rapport au temps. Le nom en anglais du market profile, c'est TPO, Time Price Opportunity. Donc, c'est un rapport du price action, c'est le price action par rapport au temps. Plus les prix vont passer du temps dans une zone, plus le profil va imprimer de lettres. Donc, cette représentation graphique de l'action des prix, pour moi, c'est la meilleure pour se faire une idée donc, du contexte et de la structure du marché en un clin d'œil, comme je le disais tout à l'heure, pour voir si nous sommes en trend, en range ou en flow driven market. Par exemple, sur cette diapositive-là, sur la droite, nous avons l'Imini SP500 et tout de suite, on peut voir que nous sommes dans un marché drivé par les acheteurs, un marché bullish. En un clin d'œil, on voit tout de suite que c'est extrêmement bullish. Pourquoi? Alors, je vais prendre un stylo. Parce que les profils que vous voyez ici, avec ces traits roses ici, vous voyez ce trait rose ici, qui s'appelle le POC. Les traits roses, ce sont les POC. Et les POC, ce sont les endroits où le prix a passé le plus de temps dans la journée. Ça, tu peux peut-être le traduire, Corail. Just to make a quick summary of the market profile, I won't deep dive into the details, but you know about the time price opportunity representation. And basically, one letter is added every 30 minutes we spend on a price level. So
the point of controls that Jean-Marc is showing is basically the most time spent on a price, and it's a help basically to understand what the overall stance of the market is in a certain time frame. What it's just showing is that basically the point of controls are higher and higher, and this clearly indicates obviously a bullish market. Voilà. On peut voir aussi la forme des profils. On voit bien sur quasiment tous les profils qu'il y a eu beaucoup de travail en bas et que d'un seul coup, on allonge et on clôture souvent tout en haut. On travaille en bas, d'un seul coup, on allonge, on clôture tout en haut. On travaille en bas, d'un seul coup, on allonge et on clôture tout en haut. Donc voilà, en un clin d'œil, je vois, grâce au market profile, si je suis dans un marché haussier, baissier ou orange. Ça va également m'informer sur, alors je vais y revenir après, mais nous allons pouvoir voir si le flow institutionnel, si le flow des gros acteurs se déverse sur le marché. On va pouvoir également reconnaître des patterns de continuation. On va pouvoir aussi se servir du market profile pour trouver des endroits, des zones et des niveaux et des seuils clés où on va pouvoir entrer en position si le carnet d'or des tape et Bookmap nous disent OK, on peut rentrer. Avec le market profile, on va également pouvoir repérer des zones où se trouvent les stops. Et avec le market profile, enfin, on va également avoir plusieurs setups d'open au moment de l'ouverture de la session cash. Il y a différents types d'open market profile qui sont des setups, qui sont autant de setups de trading qui vont pouvoir nous permettre de savoir dans quel sens et quelle stratégie appliquer dès l'ouverture. Je te laisse résumer. Ok, let me give it a try. So we left it at the different profiles, and Jean-Marc was adding the shape of the profiles show as well when they are accumulating, spending a lot of time in the lower part and then extending the range of the prices to the upside, mostly closing at the tops, and the day after or in the course of the week or one day after the other, this repeats, and this shows as well the trend or the path we are following on a midterm. On top, so it helps as well, obviously, to identify the continuation patterns or identify where the institutional flow is driving the market, as with the big volumes and big interventions. Those are the interventions that are driving the market out of its current balance or after an accumulation phase. Jean-Marc uses as well the market profile to identify trade locations, basically locations where, price level where you can enter a position, like single print areas, a point of control, value areas on a daily, weekly or monthly time frame, or others, but those trade locations are just obviously locations, and that's where Bookmap will help to monitor when we arrive on this area of or location, if it's worth to give a chance to the trade or not, according to what he sees in the Bookmap. Market profile helps as well to identify the stop zones, the areas where the stops are accumulating, and when we will go there, we will probably see a short squeeze. And obviously, as well, it helps on a day time frame to monitor and identify the kind of open we have. And there are different open setups in order to take trades more on a short time frame or a day time frame. There's a question on the brown rectangles there on that chart. Pardon?
Il y a une question sur les rectangles marrons. Ah, yes. Alors, les rectangles marrons, ce sont les queues, les buy-in tails, c'est the buy-in tails, les queues d'achat ou les queues de vente. Là, comme c'est un trend haussier, ce sont les queues d'achat et les single print milieu, qui sont laissés derrière nous. Ce sont les endroits où les prix sont passés très rapidement en ne faisant qu'une seule impression, single print. Et souvent, lorsque l'on revient sur ces zones, ce sont des zones qui réagissent très bien pour le scalping. Je te laisse traduire. Yeah, so those areas are the single prints we've left in the buying tiles, meaning single print just one time of the time price opportunity print left on the profile. Okay, I think for the market profile addicts, it's a kind of day-to-day business. So this market shows that we have left single prints on the lows, which will react and which are very good location, trade locations for scalping in particular. And on the top, of course, this will be more areas left as selling tiles. So this will be more areas to fade if the market goes up there. Yes, d'ailleurs, c'était avant-hier, on voit très bien un très bel exemple. Nous n'avons pas touché la single print, mais on s'est arrêté juste en dessous. Vous voyez cette single print laissée derrière nous le 21 mars 2017, ici, d'accord? Nous sommes venus, boum, 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 on s'est arrêté juste en dessous pour ensuite repartir au sud. Donc, on n'a pas touché à single print, mais par contre, on s'est arrêté juste en dessous et ça pouvait donner un signal de vente avec, évidemment, en confirmation avec le reste de nos outils, c'est-à-dire en confirmation avec le carnet d'ordre, le tape et bookmap. Je voulais rajouter aussi autre chose, Corail, c'est qu'on utilise beaucoup la convergence, la confluence de niveaux. Tu en as parlé du market profile daily, weekly et monthly. Et c'est bien d'utiliser aussi la convergence de niveau entre ces différentes time frames pour avoir des zones, des points durs. Yeah, so just to add on the different, what's important, and Jean-Marc wants to focus on this, is the confluence of areas which come from a different time frame analysis, like value areas from day time frame, but if we have as well at the same place a weekly point of control or a monthly single print, whatever, the more layers we add and the more confluence of levels we have, obviously the most reliable the point or the area will be. C'est ça. Mais attention, bien sûr, c'est Bookmap qui vous donne le top départ. On appuie sur la gâchette seulement si Bookmap dit OK, c'est bon, le niveau tient, on peut y aller. And once you've spotted the area, obviously this is not a go. The real signal to pull the trigger will be what you see in Bookmap. And once you and the prices arrive there, you will observe what you see in Bookmap, and that will make the decision. OK. Ensuite, le volume profile, pareil, the same thing, the market structure. Alors, non, one thing. J'ai parlé du market context, mais il y a aussi the market structure. Le market profile nous renseigne sur la structure du marché. Je m'explique. On utilise le market profile en temps réel de cette façon, comme vous le voyez sur la diapositive ici, c'est-à-dire en draw developing. En temps réel, lorsque l'on trade, lorsque nous sommes en train de trader, on utilise le market profile comme ceci, l'exact, en draw developing. Pourquoi? C'est très important. Parce que de cette façon, on va bien identifier les endroits. On va beaucoup mieux identifier les endroits où le marché va vite avec the fast money. Le marché passe très vite en imprimant
Ici, vous voyez par exemple, je vais prendre ma petite loupe en imprimant qu'une seule impression, S, 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 S. Donc on sait que là, le marché a été très vite. Et lorsqu'il retrace, ici, nous avons une petite queue d'achat, une bulling tails. Il continue à monter très vite avec le H-print, très vite, fast, 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 et pullback. Et sur le pullback, on a également ici une queue. On appelle ça des queues cachées. Ce sont des hidden tails. Et ça nous confirme que le flow est puissant, qu'il y a une conviction dans la direction qui est prise très importante. Et que les gros players sont rentrés, sont en train de rentrer. Je te laisse traduire. Okay, so the market profile you see on the left is an example where the market profile is just compressed. It's the standard way to show it, but on a daytime frame and in real time, Jean-Marc uses the market profile in this mode, which is the draw developing mode, which means that each half an hour will be put at the end of the other, which allowed to see all those areas and all those, for example, buying or selling tails, in this case, buying tails that we see here, which are additional hints showing the market is pushing and big players are coming in, and each time the prices go lower, there are massive players getting in, stepping in and buying the market and pushing it like drawn here, with leaving a single print, which will then be not further accepted when the market goes down, and there is another buying tails. I mean, those are all signals that shows and that basically give you hints about the market context and the market structure. Okay, thank you. Ensuite, on va passer au volume profile. Toujours dans cette lecture de l'action des prix, du price action, nous avons également le volume profile. Alors, le volume profile, c'est une représentation des prix en termes de volume traité et non plus en termes de temps passé sur une zone. It's a representation of the price in relation to the volume process, not the time. Vous voyez sur la petite diapositive à droite, le chart à droite, que nous avons des gros pics de volume que l'on appelle les HVN, High Volume Node, et des creux de volume, comme ici, ou ici, ou ici, que l'on appelle des Low Volume Node, LVN. Ces points, ces zones, vont être des zones très importantes pour le scalper également. Donc, on va se servir de ces zones pour localiser l'entrée en position, mais aussi pour localiser, par exemple, une sortie de position, puisque les pics, les HVN, ont tendance à attirer les prix. Donc, si nous sommes... imaginons que j'ai shorté à cet endroit-là, nous entrons dans un creux comme ça. En général, les prix, souvent, dans les creux, dans les low volume nodes, ne passent pas beaucoup de temps. Ils vont très vite. Et en général, ils sont attirés par les pics. Donc, ça peut nous servir, le volume profile, non seulement à avoir des zones d'entrée, mais aussi des targets. En plus, la forme du volume profile est très importante également en intraday. Je vais en parler plus tard, mais je te laisse déjà parler de ce que je viens de dire. Okay, so another tool is the volume profile, so the representation of the volumes made or traded at each price. And it's important, as you will notice, the high and low volume nodes, so the high volume nodes are mostly areas acting as a magnet. I mean, when the prices don't really know where to go, they usually end up there. And the low volume nodes are rejection areas, but are basically areas where the prices will not spend too much time. Okay.
La forme du volume profile est très importante aussi. Quand on a un volume profile en intraday, par exemple, qui montre la succession de balance, imbalance, balance, imbalance, balance, imbalance, en intraday, ça nous informe également sur un price action extrêmement directionnel. So the profile, the shape of the profile gives us as well hints about what the market is doing, especially on a day time frame, where when you build successive peak volumes and low volume areas, it shows that, for example, the market is driving. I think that was the what Jean-Marc was trying to explain. Et en dernière chose, j'en reparlerai après, on se sert également, le volume profile nous aide aussi à repérer les ordres iceberg en intraday. J'en parlerai après. And the volume profile shows us as well where the icebergs have been operating more on a day time frame, and Jean-Marc will come back to this later on. Ok, on va continuer. Voilà, par exemple, dans Bookmap, une structure de volume profile. Alors, vous avez le volume profile sur la droite, ici. So here is the structure of Bookmap showing the volume profile on the right. Ici, alors attends. Tac. Donc, vous avez ici le volume profile dans Bookmap. Vous voyez que c'est une journée extrêmement haussière, ok? Et vous voyez, le volume profile a une forme bien particulière. On a cette succession de balance, imbalance, balance, imbalance, balance, imbalance, balance. Et ça, c'est un volume, c'est une forme de volume profile typique que l'on veut voir dans les phases de marché très directionnelles. Donc, le volume profile nous renseigne aussi sur la structure du marché, la structure du price action. C'est très important. This is an example of obviously a really driving market, trending market, but fast trending market, let's say. And the shape of the volume profile, it clearly shows that the succession of balanced phases and imbalances, and then basically sideways market, and then give it a push and another area of accumulation, breakout, next area of accumulation. So this kind of profile clearly shows us the kind of market you are in or you are looking at. Okay. On peut voir aussi les périodes et les zones d'accumulation, comme ici, celle-ci, que l'on voit ici. Okay. Ça nous renseigne aussi sur les épuisements, les exhaustion, et les réjections. Par exemple, en haut, ici, on a une réjection. Okay. On voit dans le volume profile, ici, que nous avons 28 contrats qui ont été achetés. Donc, il y a un épuisement des acheteurs. Et suite à cet épuisement, on a une réjection et les prix repartent au sud. En bas, ici, c'est plus une accumulation. Okay. On voit l'accumulation ici sur le volume profile qui se fait. Donc, il y a une accumulation passive. Alors, il y a évidemment des vendeurs en haut et des acheteurs en bas. Et lorsque l'on sort de cette zone d'accumulation, on sait quel acteur devient plus agressif, d'accord, et on peut mettre en œuvre des setups d'entrée directionnelle, par exemple sur un retest comme ceci, ok, lorsque l'on voit que l'on sort de cette balance et que l'un des deux acteurs est devenu plus agressif que l'autre suite à cette accumulation passive. Okay, par exemple, this day shows different things. On the top, for example, you have a rejection, first an exhaustion, because you only have, I think, 28 contracts traded on the offer at the last row, showing clearly that there are no more buyers, basically, at this level.
And following that exhaustion, you have a rejection, so the market goes lower. On the lower part, we clearly see a phase of accumulation with buyers on the lows and sellers on the top, of course. And at the resolution of this accumulation, there are a lot of setups that you can put in place to, for example, buy the market once the area is broken. And after a pullback, you can get long and this is a good probability trade, let's say. Tu peux leur dire que je viens de me rendre compte que j'écris sur l'écran depuis tout à l'heure avec un logiciel, mais que eux, je crois qu'ils ne voient pas quand j'écris. Non, on le voit, c'est bon. Moi, je le vois. Ah, tu voyais les traits rouges, c'est bon. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur. C'est bon. Ok. Ensuite, on va passer à la suite. Un autre outil que j'utilise, très important, le footprint, évidemment. Si on pratique la lecture de l'order flow, évidemment, on va utiliser le footprint en plus. Alors, petit détail, moi, personnellement, j'utilise le footprint en regardant en diagonale dominante side reading. C'est-à-dire que je regarde, je vais vous montrer, je lis en diagonale. C'est-à-dire que ici, par exemple, nous avons 239 contrats qui ont hité le bid. Au bid, on a 239 contrats qui ont frappé le bid. Et au-dessus, en diagonale, nous avons 518 contrats qui ont lifté l'ask. OK ? Et moi, ce que je regarde, c'est le rapport qu'il y a entre cette lecture diagonale. C'est-à-dire que, par exemple, sur l'Imini SP500, si jamais j'ai 5 fois plus d'acheteurs ici que de vendeurs en dessous, je parle d'imbalance acheteuse. On a des exemples d'imbalance vendeuse ici. Il y en a une ici et une ici. Vous voyez, ici nous avons 1036 ventes au marché et au-dessus nous avons 141 achats au marché. Donc nous avons presque, on a 8 à 9 fois plus de ventes au marché que de achats au marché. Donc là nous avons une imbalance vendeuse. Les vendeurs sont plus agressifs. C'est la façon dont je lis le footprint. Okay, let's go. So the footprint is the next tool. As an order flow trader, you have to obviously have a look inside what is going on in the market. Jean-Marc uses the footprint with a diagonal reading, which means the interpretation you make from the figures are made on the diagonal. Si tu peux la redessiner, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Pas simple, la diagonale. So basically, you just... Par exemple, on a le bid ici, l'ask ici. Donc, ici, les acheteurs au marché, ici, les vendeurs au marché. Si les vendeurs au marché sont plus agressifs, si les volumes sont 5 fois plus importants que les volumes d'achat au marché au-dessus, les volumes vont s'imprimer en rouge et vice-versa pour les acheteurs. Ça s'appelle le volume imbalance. So Jean-Marc uses the volume imbalances, which is basically this comparison in diagonal, which is a comparison of the number of trades hitting the bid and lifting the offer. And here at the top where he has drawn the small rectangles, you can clearly notice that sellers are more aggressive. I think there is a kind of nine times ratio between the bid trades and the ask trades, showing clearly that the sellers are let's say in taking control of the market at this level. So Jean-Marc uses 500% here in this example sur les mini S&P, S&P mini S&P. Mais il faut adapter ce réglage suivant l'actif. Ça dépend de l'actif.
And yeah, this has to be set differently according to the instrument you trade. Donc ça, ça va nous renseigner, c'est to see the aggression, the aggression, the conviction from buyers or the sellers, or the sellers. Ça va nous aider donc à trouver des points d'entrée, à confirmer des points d'entrée à l'achat ou à la vente. Ok, c'est ce que j'ai noté en bas, trade location and confirmation. Voilà pour le footprint. Bien sûr, tous ces outils sont utilisés ensemble, en même temps, en temps réel. Et l'idéal, c'est d'avoir le signal parfait, c'est d'arriver par exemple sur un niveau pré-identifié grâce au market profile et au volume profile, et que dans Bookmap, on ait une pattern order flow, un signal d'entrée en position, et que également sur le footprint, on ait au même moment, au même instant, un signal également d'entrée en position. Yeah, all those tools have obviously have to be used simultaneously at the same time, obviously as well. The perfect setup is the setup where you have a level identified, you know where you're, what the market is doing, you have a level, you will have an imbalance, and you will at the end of the day have as well a pattern in your book map, an order flow pattern in your book map, and that would be then the perfect setup to get to step in the market. Ok. Bien évidemment, il y a plein de patterns order flow que l'on peut voir dans Bookmap. Je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que ça serait trop long, mais je peux vous montrer par exemple la liste des patterns order flow que je surveille dans Bookmap. Où est-ce que j'ai mis ça? So there is a flurry of different order flow patterns. Jean-Marc will just show us a quick, give us a quick view of the different examples. Ouais, je vais vous montrer la liste des patterns order flow que je surveille, par exemple. Ça, c'est la formation présentielle que je fais à Paris sur 2 jours qui parle de Bookmap. Et voilà la liste des patterns order flow que je surveille, que j'attends toujours dans Bookmap. L'absorption, le reload, la réjection, l'exhaustion, l'iceberging, le spoofing, le layering, le flipping, le momentum ignition et les contextes, the market context, trend market, flow driven market ou un marché two sides, un marché en range. C'est les patterns order flow principal qu'il faut savoir reconnaître dans un carnet d'ordre et dans un tape et donc dans Bookmap. Dans Bookmap, c'est beaucoup plus facile. C'est aussi ça l'avantage de Bookmap, c'est que c'est beaucoup plus facile dans Bookmap et ça demande moins d'efforts de concentration. On est moins fatigué à la fin de la journée. C'est beaucoup plus facile de repérer ces patterns order flow. Évidemment, je ne peux pas rentrer dans le détail aujourd'hui de toutes ces patterns, mais voilà. Sachez qu'il y a plein de patterns order flow à savoir reconnaître et ce sont les principales, celles-ci. I think it's a self-explanatory. I won't dive into the details. Those are the main order flow patterns to know and to be able to recognize if you are pretending to be an order flow trader. And he can't dive here into each of the examples, but I think he will show us one. Okay. Par exemple, on va retourner à celle-ci, on va retourner à cette diapositive-là. Ici, nous avons clairement une accumulation. On a une absorption ici des ventes au marché. Je vais vous montrer avec ma petite loupe. Hop. Elle marche la loupe, là, comme ça? Vous voyez? Vous voyez ma loupe? Mm-hmm. Ouais. Donc, vous voyez ici, tout en bas ici, vous voyez que les vendeurs ont agressé le marché, ont agressé les ordres limites d'achat, mais qu'ils ont été absorbés. Ici, nous avons une pattern order flow d'absorption et de réjection ensuite, d'accord?
Et à chaque fois que l'on se représente en dessous, au niveau de, dans la même zone, on a un petit support au carnet ici, où on a une absorption des ventes. Et comme j'expliquais tout à l'heure, une fois que cette absorption qui est passive, en fin de compte, une fois que cette absorption, cette accumulation de positions est terminée, en général, ce sont des grandes banques, des gros acteurs de marché qui accumulent une position. Une fois qu'ils ont fini d'accumuler leur position, on peut voir ensuite une agression. Et c'est ce que j'appelle le momentum ignition, c'est-à-dire qu'un mouvement très agressif est initié. Et là, on a un setup d'entrée, par exemple, sur ce petit retest. Donc, pattern order flow d'absorption. Ensuite, on a une agression et un momentum ignition ici où on voit très bien dans Bookmap les ordres au marché, les volumes dots verts qui agressent, qui liftent l'ask. Et là, on a un setup d'entrée en position longue, par exemple. C'est un exemple, un petit exemple comme ça. So in this example, you see clearly each time the sellers are basically hitting the bid, they are getting absorbed and once and twice and three times. So it's a kind of huge absorption area or absorption phase. And once the actors that are absorbing all those sellers have been basically are happy with the size they have been accumulating, they start to be more aggressive, and that's then a setup to step in the long. For example, pullback that you can see around here. Le retest. Yeah. Ok. C'est très important de pouvoir voir cette agression parce qu'il ne faut pas oublier qu'un marché ne monte pas seulement grâce aux acheteurs ou un marché ne descend pas seulement grâce aux vendeurs, mais un marché monte aussi parce que les vendeurs liquident. Il y a une exécution du marché par les acheteurs, mais il y a aussi les vendeurs qui liquident. Plus le marché va monter et plus les vendeurs vont sortir de position parce qu'ils sont dans une position délicate. Donc, c'est très important de voir ça en temps réel dans Bookmap grâce au volume dots que vous voyez, hein, les gros volumes dots verts et rouges, qui correspond en fait au tape, au timing cell. Yeah, it's important to identify those dots, which show, of course, the buyers, but as well the sellers exiting their positions. OK. Parfait, perfect. Alors, ensuite, donc ça c'était le footprint, ok, on a vu. Alors, on va voir un exemple en vidéo d'un trade que j'ai fait tout à l'heure, tu peux leur dire. Yeah, so, Jean-Marc will show us something he has seen earlier today. Un trade que j'ai passé. One trade he non, made. Non, c'était hier, yesterday. Oh, yeah. Yesterday. Mais avant de regarder ça, je voulais quand même vous dire que quand vous avez trouvé une méthode de travail cohérente et qui vous convient, avec des outils efficaces comme Bookmap, alors il va falloir que vous créez vos propres setups et que vous vous spécialisez dans certains setups. Après la méthode de travail, comment on dit ça? After the method, the tools. The next step, it's the creation of your own setups and your specializations in some favorite setup. Je peux vous montrer, I can show you some of my setup, for example, pour vous montrer quelques exemples. Toujours dans mon... Alors attendez, wait a minute, just une petite minute. C'est important de faire son propre travail de recherche, de faire ses propres setups. Et ça permet d'avoir un cadre de travail également.
moi, par exemple, j'ai plusieurs setups. Alors, j'ai les setups des ouvertures, les open market profile, qui sont… il y a différents types d'open market profile. Il y a les open drive, les open test drive, les open auction, open in range, open outsizer range. Donc, ça, c'est des setups d'entrée au moment de l'ouverture. Mais vous pouvez aussi avoir des setups purement au carnet d'ordre, comme j'en ai plusieurs. Je vais vous montrer les noms, juste les noms, comme ça. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails aujourd'hui, mais pour vous montrer que c'est important de donner des noms à ces setups. Voyez. Ensuite, vous créez vos propres setups. Moi, j'en ai entre 15 et 20. Là, il y en a 13. Et vous voyez, il y a les month's head trade setup, first days of the month trade setup, OPEX day, OPEX expiration day trade setup. Bref, c'est market the close, inside the break. C'est important que vous créiez vos propres setups. Dès que vous avez une méthode de travail qui vous convient, avec des outils comme Bookmap ou le Market Profile ou le Volume Profile qui vous conviennent, ensuite, il faut créer vos propres setups et les tester en simulation. Vas-y, je te laisse. Merci. So once you have your tools and you have your method and everything is set as far as this, the next step is to basically create your own setups and specialize in some favorite setups that you will apply. Jean-Marc showed a quick list of his own setups. He's got about 15 or 18 different setups. The one based on the opens from the market profile opens, inside range, outside range, drive rejection, open rejection, or open test drive, etc. So you have to specialize, make your own research, and build your own setups that you will be then later on a specialist and trade them then on a daily basis. Okay, merci Corail. Alors maintenant, on va regarder un exemple concret d'un trade que j'ai pris hier sur l'Imini SP500. Donc, comme je le disais au début, je trade sur l'Eurex le matin et l'après-midi, je trade l'Imini SP500. Aujourd'hui, je n'ai pas pu trader à cause du webinaire, mais hier, j'ai tradé, comme tous les jours, et j'ai pris un trade et je l'ai filmé pour vous, pour pouvoir vous le montrer durant le webinaire. Donc, on va regarder ça et c'est un setup qui s'appelle le stop running. Je te laisse traduire ça. Okay, so Jean-Marc will show us an example of a trade from yesterday. He used to trade the Eurex instruments in the morning and the S&P E-mini on the afternoon, European time, obviously. And he will show us an example of the trade he took yesterday. It's called a stop running, basically. Okay, thank you. Donc avant, on va regarder un petit peu les graphiques pour voir un petit peu comment se présenter la journée. Tu peux leur dire ça le temps que j'ouvre Sierra Chart. Yeah, so Jean-Marc will show us first the context of the market before the open, kind of preparation of the day. Ok, so c'était le 23 mars, donc c'était hier. Ok, alors imaginez, le marché n'est pas encore ouvert, donc on va cacher ce qui n'existait pas. Je cache ce qui n'était pas encore là. Voilà, on en était là. Ça, c'est la session overnight du E-mini SP500. C'est la session Globex, OK? Et on peut voir… Déjà, la première chose que l'on peut remarquer sur cette session, il y a deux choses très importantes que l'on peut remarquer sur cette session overnight, c'est-à-dire juste avant l'ouverture de la session cash. La première chose très importante, c'est cette réaction qu'on a eue ici sur le POC de la veille. Vous voyez, je vous expliquais tout à l'heure l'importance des queues d'achat et des queues de vente. Et l'on voit ici sur le trait rose ici qui est le POC de la session cash de la veille, que la session overnight est venue. Alors, on a ouvert ici sur le A-print orange. Et tout de suite, on est venu tester le POC
de la veille. Et tout de suite, on a réagi avec cette queue d'achat. Cette queue d'achat sur le POC de la veille, ça nous, déjà, ça nous donne un premier indice. It's a first clue. C'est ça, un indice, clue, c'est ça? Pour la direction que peut-être, potentiellement, va prendre le marché. Je te laisse déjà traduire ça. Avant l'ouverture, on sait déjà que les acheteurs ont réagi très fortement sur un point de référence du marché important. So in that case, before the open, we can already clearly identify that the market has rejected an area before the open. Voilà. Yeah. Donc ça, c'est la première information que l'on voit sur cet écran. La seconde information très importante que l'on voit, c'est ce bad high. Il y a des bad low et des bad high, ou des poor low et des poor high. Qu'est-ce que c'est qu'un poor low ou qu'est-ce que c'est qu'un poor high? Tout simplement, c'est lorsque justement on n'a pas de single print en haut ou en bas. Lorsque l'on n'a pas de single print en haut ou en bas, hein, peu importe, on appelle ça un bad low ou un bad high. Or, ici, vous voyez qu'il n'y a pas de single print. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on est venu frapper le niveau à plusieurs reprises. Regardez. Chaque lettre, c'est une demi-heure. Donc, on est venu frapper pendant une demi-heure, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes. Pendant 2 heures, on est venu frapper ce niveau, qui est en fait la queue de vente de la veille, mais on n'est pas passé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'on a passé énormément de temps ici et qu'on a fait un poor high, ça veut dire qu'il y a énormément de stops au-dessus. C'est la deuxième information importante que l'on peut voir avant l'ouverture sur ce market profile. Ici, je savais avant l'ouverture que j'avais une poche à stop. Je te laisse traduire. Ok, so the second information, this Globex or overnight session gives, and the profile gives, is that you have no single print, neither at one end or at the other, by the way. But this gives us an additional information, which is that the prices have been, I mean, the market has been trading in this area without any extension for hours. So there is an accumulation of stops where Jean-Marc has just drawn it or texted it okay. Above. Donc, première information, on a cet open drive. Deuxième information, on a les stops des vendeurs ici. Troisième information, on est revenu tester le niveau ici juste avant l'ouverture et ça a réagi à nouveau. D'accord? Donc, on sait deux choses. On sait que les acheteurs défendent ce niveau et on sait que les vendeurs ont plein de stops, mais plein, beaucoup plus que les acheteurs ont des stops ici, plein, plein, plein de stops dans cette zone-là. C'est deux choses très importantes que l'on sait avant l'ouverture grâce au market profile. Ensuite, ça ouvre, la session cash ouvre à 42,50. OK. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, le marché a commencé à monter très, très, très fort. Et je vais vous le montrer après dans Bookmap. Hein. J'ai filmé, on va en parler après dans Bookmap. Le marché a ouvert ici. Il est venu tester, retester ce point dur qu'on avait identifié. Je te laisse traduire ça, c'est important. So we had identified an area where the buyers have been massively defending earlier, and we know that the initial intention was a drive in the Globex session, and we know that we have stops above. So the market opens, tests again this lower area, which has been defended two times already, defended again, the market drives up. Voilà, très bien. Et ici, après avoir testé ce point important et drivé au nord, sur le e-print, on vient refaire un petit test et on a une petite queue ici, avant de commencer à repartir. Et ici, potentiellement, on a un signal d'entrée à l'achat. Et on va voir dans Bookmap si on a une confirmation. So here, for example, we have after the market opens, so we have this first test, the market drives,
has this little pullback, and according to Jean-Marc, we have a first long entry possibility, at least in terms of trade location, and now we will see in Bookmap how it looks like. Juste avant de montrer Bookmap, je vais vous montrer le graphique en bougie. C'est important pour vous faire comprendre le cheminement de ma réflexion. Donc je vous montre ce graphique-là aussi pour que vous compreniez bien le cheminement de ma réflexion. Ok. Donc c'était là. Pardon. Before jumping into Bookmap, let's just say in candles. Pardon, voilà. Donc, l'ouverture de la session cash, c'est ici. OK, je vais vous montrer avec mon petit stylo. Et vous allez comprendre pourquoi je cherche à rentrer long. L'ouverture se trouve ici, à 42,50. OK, nous allons tester le point dur que l'on a repéré en session overnight. Suite au test de ce point dur, on drive au nord. Et suite à ce drive au nord, on voit dans Bookmap énormément de flow acheteurs, on fait un petit retest de l'ouverture. D'accord? Vous voyez que c'est un retest de l'open. On vient retester cette ouverture. D'accord? Donc là, on a un setup d'entrée long. Corail le sait bien puisqu'il a suivi ma formation. Après une open drive ou une open test drive, sinon au premier pullback comme ceci, important, on a un setup ici, une trade location long. So that's a typical setup. Open, we test lower, we break the open, we push higher, we come back, and in this pullback, the first touch to the open is a good trade location to take a long. Et bien sûr, on ne sait pas si ça va fonctionner. Mais en tous les cas, qu'est-ce qu'on sait? Je vous l'ai dit en premier. On sait qu'il y a énormément de stops ici, au-dessus de ce haut swing, et ici. D'accord? Donc ces stops, si jamais le mouvement part, ces stops vont être le carburant pour accélérer le mouvement. Donc, on va anticiper un stop running. C'est ça le setup. Il y a deux setups. Il y a le setup de l'open test drive et le setup du stop, de l'anticipation d'un stop running. So it's a combination of basically two setups. The first is the one I just explained, the open test drive setup to enter long. And the long is even more promising, as we know there are stops above, and those stops will be, if the market pushes higher than the previous highs, the stops will be basically fueling a further move up, and that's what makes the trade interesting. Ok, donc je vous montre maintenant dans Bookmap ce que ça a donné. Donc sur un écran, j'ai tous ces graphiques-là hein, que je viens de vous montrer, le market profile, ce graphique en point, en chandelier, point et figure, et le footprint. Et sur un autre écran, j'ai Bookmap pour appuyer sur la gâchette. Là, hier, j'avais mis tout sur le même écran parce que je savais que j'allais vous montrer, donc je voulais tout sur le même écran. Voilà, donc ce que vous voyez ici, vous reconnaissez, c'est ce que je viens de vous montrer. C'est ce que je viens de vous montrer. On a ouvert ici à 42,50. OK? C'est ce que je viens de vous montrer ici, ouverture de la session cash. Et là, nous sommes en train de faire ce retest de l'open. D'accord? C'est ce qu'on fait dans Bookmap ici. C'est ce qu'on est en train de refaire. OK? Et au moment de ce retest de l'open, je vois dans Bookmap, j'observe dans Bookmap que on forme une espèce de début de rounding bottom en fait. Les ventes au marché sont absorbées et rejetées violemment à chaque fois qu'on se présente dans la zone qu'on a identifiée. Voyez ?
Donc moi, voyant ça, je suis rentré ici en fait. Vous voyez mon petit rectangle jaune? J'ai pris 3 contrats à l'achat ici, sur 44,25. En fait, sur ce graphique-là, ça correspond au VWAP et au mid de la séance. Je te laisse traduire ça. Ok, so that's after those test lower, Jean-Marc jumped in where you see the yellow dot, so where you have several boxes. So it does correspond in the other graph that you see to the VWAP and to the mid of the session. On the VWAP and the mid of the séance. Excuse me. Welcome. T'as fini? Je continue? Ok, donc je vais mettre la vidéo un petit peu en route. Donc, vous allez voir, c'est en temps réel. Hein. Et je vais marquer au fur et à mesure sur Bookmap mon scénario. Vous allez voir. Donc là, je suis en train de remontrer mon market profile. Hein. Je n'ai pas mis le son, puisque là, je suis en train de commenter en direct, donc je ne vais pas mettre le son. Donc, je refais mon contexte marché, le même contexte que je vous ai fait à l'instant, d'accord? Et je vois que je suis sur un setup d'entrée long potentiel, et je vois que potentiellement, il y a également un stop running derrière, donc je vais pouvoir peut-être viser plus loin. Je vais vous avancer, vous voyez. On voit très bien dans Bookmap, à un moment donné, vous allez voir, je vais vous montrer. Vous voyez, là, j'ai marqué, je me suis marqué dessus, stop. C'est pour me, psychologiquement, ça m'aide. Je marque mon scénario. Je sais qu'il y a des stops au-dessus. Donc, je le marque, ça m'aide psychologiquement. Tu peux leur traduire ça, si tu veux. So, on the Bookmap, Jean-Marc used to basically place... or draw on the book map and just to identify the area as a reminder that there are stops in here. Une chose importante aussi, le cumulatif delta des gros acteurs que j'ai réglé à 200 contrats minimum est positif. Donc ça, c'est aussi très important. Alors, on va continuer. Donc, je suis déjà en position. Maintenant, je surveille mon carnet. Et vous voyez, là encore, ici à cet endroit-là, à chaque fois qu'on revient se présenter sur la zone, comme ici, il y a une absorption et une réjection des ventes, une absorption des ventes au marché et une réjection derrière. Donc il y a vraiment, sur cette zone-là, il y a vraiment une intention, il y a vraiment beaucoup d'acheteurs. À chaque fois, on a ces réjections. Donc, ça me confirme que potentiellement, je suis dans le bon sens. So the first thing we notice is that each time we test this level, we have absorption and rejection, which shows the power of the buyers. And regardez ici, très important, au moment où on se trouve sur les 47,25 ici. Nous avons 822 contrats qui viennent se placer sur 47,25, 822 ordres d'achat limite avec un large lot tracker qui montre que les trois quarts des 800 contrats sont pris par un seul acteur. C'est très très important ça. So important when we arrive here, we see that at the bid, we have one and single major player about 3/4 of the size with 850 lots at the bid just below the prices and pushing them up. Et juste pour information, vous reconnaissez bien la forme du volume profile que je vous ai expliqué, balance, imbalance, balance, imbalance, hein, qui confirme qu'on est bien dans un trend haussier qui débute. Donc, regardez la réaction sur ce large lot tracker. Je l'entoure. Ça, c'est en temps réel. Hein. C'est hier où j'écrivais pour que vous puissiez bien voir. J'entoure ce big player. On se présente dessus. Boum, boum, boum. Et paf. Encore, les ventes sont absorbées.
il y a une réjection et il y a un reload des ordres limites et cet acteur se replace à nouveau, je vais prendre la loupe, une deuxième fois, cet acteur se replace encore, toujours juste en dessous le current bid. C'est très très important. Ça montre de la conviction. Je te laisse. So we have seen a first time that this big player is just below the prices or the best level of the bid, and once we retest this level, he's still and again he's here and taking this position at the bid. Vous voyez, on va se le repasser parce que ça, c'est très, très, très important. Vous voyez, j'ai noté ici qu'il y a des stops aussi. Au fur et à mesure, je sais qu'on a commencé à attaquer cette poche à stop que j'avais noté ici. Et ici, on va bientôt attaquer la deuxième poche à stop. Et ce qui me fait tenir le trade, pourquoi je ne sors pas déjà, parce que je suis déjà en gain, hein, pourquoi je ne sors pas, c'est parce que j'observe ce que je viens de vous décrire. On va se le repasser. En temps réel, vous voyez ce big player, ce large lot tracker qui se met en dessous le current bid et qui absorbe toutes les ventes au marché qui se présentent. Regardez, très très important. Vous voyez, il frappe le bid, pas, pour l'instant non, mais... À chaque fois qu'il vient frapper le bid, on voit un reload des limit order. Boum. Regardez, 133, 125 contrats frappés au bid, ok, ça va rejeter et on va voir que le niveau va se recharger. Each time the sellers hit basically the bid, you see that the bid is replenished and reloaded. Et ça, c'est une pattern order flow très importante. C'est une pattern de continuation. Là, on a une sorte de petit iceberg. Les icebergs qui sont sur les retracements dans des tendances directionnelles comme ça, ce sont les icebergs les plus importants. Regardez ce gros acteur encore. Regardez, vous avez vu? Donc ça, c'est très important. Ça confirme que l'on peut rester dans le trade. Et en plus, je sais, moi, que j'ai encore des stops au-dessus à aller chercher. Donc je reste, je tiens le trade. Jean-Marc stays in, I mean, keeps the trade and holds on because he knows that we have taken a first couple of stops, but there is another area of stops above. Ok, là je vous ai mis le market profile et parce que je voulais voir où on nous étions par rapport au port high. Le port high est ici, donc les stops, il y a des stops ici. C'est pour ça que je les ai marqués. Ok, here. Et les prix, pour l'instant, sont ici. D'accord? Donc, potentiellement, je sais que on va, si on rentre dans cette zone, il va y avoir un squeeze. Et le fait d'observer ça, cette pattern order flow, ça me confirme qu'on va certainement rentrer dans la zone. Je te laisse traduire. Corail? Oui, pardon, excuse-moi. Non, je disais, tu veux que je te répète? Oui, s'il te plaît. Oui. Là, j'ai mis mon graphique en market profile pour voir où on était par rapport au port high, ici, parce que au-dessus du port high, on a la zone à stop, ici, d'accord? Que j'ai marqué aussi ici. Donc, je voulais voir où j'en étais par rapport à la zone à stop. Et le fait, donc je sais qu'on a des stops encore ici, et le fait d'observer ça me confirme que je dois tenir le trade et que potentiellement, il va y avoir un squeeze au nord.
C'est pour ça que je me suis mis le petit graphique en market profile à côté. En plus, dans le footprint, on voit que les acheteurs agressent. Vous voyez toutes ces impressions en bleu là. Ce sont donc des acheteurs qui sont 5 fois plus agressifs que les vendeurs. So, aux abords, avant d'arriver dans la zone. Donc c'est important. So you see the combination. I mean, the market profile shows that we still have a way to go because we still are in the area with this poor high that we mentioned earlier. That so therefore the trade has still potential. On top the footprint is showing that the buyers are really dominant. All the blue figures are filtered at 500%. So there are at least five times there are at least five times more buyers than sellers at those levels. So that's why Jean-Marc stays in the trade. OK. Et on va continuer. Hop. Et on va commencer à rentrer dans la zone. Et regardez tous les stops qui sautent. Bon, là, j'ai sorti deux contrats et je mets un stop de protection ici pour le dernier contrat qui me reste. Et j'ai noté, parce qu'il y a encore une troisième poche de stop que je viens de noter ici. Donc, je sais qu'on peut potentiellement continuer encore plus haut. D'accord. Et pour l'instant, j'ai aucune raison de sortir tous mes contrats, mais j'en ai quand même sorti deux, mais j'en garde un. Mais j'attends encore parce qu'il n'y a rien qui me dit de sortir du trade. Et on continue. Pardon, excusez-moi. So once we arrive, regardez here. Les stocks qui sautent ici. Et on a donc tout ça, ce sont des stops qui sautent. À chaque fois qu'on a une accélération et des gros volumes d'ots comme ça, ce sont des stops qui sautent. Et regardez ici ce layering en dessous des prix qui aide les prix à monter plus fort et ce resting paper ici qui est une confirmation qu'il faut tenir le trade. Alors, on a un peu de mal là-dessus, genre, parce que je crois que la vidéo n'avance pas. Enfin, moi, je ne la vois pas avancer. Non, mais c'est moi qui l'avance manuellement. So each time the stops are taken, you see the big volume dots which correspond to those stops. So once the first big lots of stops have been taken, Jean-Marc takes out two of the contracts and follows up with the rest of the position. Voilà. Et ensuite, je sors de contrat. Et ensuite, ça continue. Et à la fin de la journée, là, j'ai sorti tous mes contrats. Et à la fin de la journée, voilà, ça continue, vous voyez, ça continue. Regardez, là, vous voyez, on continue. Et à la fin de la journée… Ça ne bouge pas, hein, Jean-Marc, pour nous. Mais... Ah bon? Je crois. Regardez, là, ça continue. Vous voyez? Ça continue à monter, Et à la fin de la journée, donc, on est ici. Je vous rappelle, moi, je suis rentré ici. D'accord? Mon trade location était là. Et à la fin de la journée, on est ici. Donc, on est 10 points plus haut. Voilà. Donc ça, c'était un stop running. Et on a continué à monter encore plus, hein, je crois. Voilà. On a été jusqu'à 56. Vous voyez, je suis rentré ici. Là, il y avait des poches à stop ici, ici et ici. Là, c'est l'endroit où je vous ai montré le big player et l'iceberg. D'accord. Et à la fin de la journée, on était là. Donc, on a continué à grimper et les stops étaient regardez cette phase-là où il y a énormément de stops qui sautent. Les stops étaient un carburant pour continuer cette montée. Donc, il y avait deux setups. Il y avait le setup de l'ouverture avec cet open drive et ce retest de l'open et le setup du stop running. Il y avait deux setups en un. Voilà, c'est tout. J'ai fini. So that was the setup of the stop running. I think we might have a Bruce. I don't know if you see the video going on or not.
Okay, no, we're just someone is asking that too. So I think the video stopped. Oui, Jean-Marc, en fait, la vidéo, on voit toujours ton écran avec le footprint à gauche, ton graphe en dessus et la fenêtre bookmap, mais on n'a pas Ah pu voir bon? la. Ah, oh, il fallait me le dire. Et oui. Aïe aïe aïe. Ah bon bah alors je vais recommencer. Mais on voit pas ta fenêtre bookmap seule, si tu veux. Bah c'est ouais, il faut que j'arrête le PowerPoint. Alors c'est ça. Pardon. Ah, Peut-être. quelle bêtise. Et là, vous voyez, Camtasia? Non. Ah bon? En fait, on voit toujours les trois écrans là. Bah... Bookmap en bas à droite et. Alors, tant c'est bizarre ça. Merde. Alors, je comprends pas. Vous voyez pas ma vidéo là? En fait, on voit Alors en là. dessous le replay, mais enfin le play, etc. Mais ça n'avance pas, ça ne Ah oui, bouge pas. parce que ouais, non, je l'ai pas mis en route, c'est moi qui l'avance au fur et à mesure. Let, Et même si let, tu mets en route, perhaps, ouais. perhaps I can take the screen for a moment and then give it right back to you. Je... Là, je laisse la main peut-être à. Ouais. Ben comment? Je comprends pas. How do you do that, Oh, Bruce? I can do that. Let's see. Okay. Mais pourquoi faire? Je comprends pas. Attends, je pense qu'il Alors, attends, je peux montrer mon écran. Ta, ta, ta. Mais là, normalement, franchement, vous voyez quoi là? C'est mon écran avec Bookmap en bas à droite, le footprint à gauche, et au-dessus. Et au-dessus, voilà, Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est pas ça que vous voyez tout à l'heure? Si, mais en fait, on ne voit pas du tout. Voilà, ça y est, maintenant, on voit la Mais vidéo. Voilà, c'est moi qui. on C'est avance. parce qu'elle est sur pause et je l'avance de temps en temps. Mais ça n'avait pas du tout bougé de tout le temps que tu as parlé en Ah, fait. d'accord. Et là, ça bouge, là? Oui, là ça bouge. Ok. Donc, il faut que je recommence tout. Ok, Donc, comme montre peut-être juste, je pense. I think everyone has got the comments. Unfortunately, the video wasn't working, but so maybe just let it ouais, play. donc je recommence. Je ne sais pas à quoi c'est dû. C'est bizarre. C'est peut-être à cause de Pointo Fix, je ne sais pas. Bref. Tac. Donc, je réexplique. Je suis entré en position suite à cette ouverture très haussière. D'accord? Ensuite, on a eu le pullback. Donc, on a eu une open drive, le pullback sur l'open. Et donc, toute cette zone, c'est le premier setup d'entrée en position, c'est l'open drive et le pullback, le retour sur l'open. Toute cette zone est une zone potentielle d'entrée avec le VWAP et le 50%. Dans Bookmap, ça se trouve ici. Vous voyez les rectangles que j'écris sur les graphiques? Vous voyez, non? Oui. Donc, moi, je suis rentré ici, en position, c'est-à-dire ici, parce que nous avions un setup d'entrée et parce que dans Bookmap, j'avais une absorption à chaque fois de ces ventes au marché et un petit rounding bottom qui se construisait, donc un price action assez bullish, d'accord? Et potentiellement, je savais que nous avions un stop running potentiel, puisqu'il y avait beaucoup, je sais, grâce à mon contexte marché, qu'il y a beaucoup de stops au-dessus. Donc j'entre en position, le trade location se trouve ici, et ensuite je n'ai plus qu'à attendre et à surveiller dans Bookmap si le trade est toujours correct. Ok? Tu veux répéter ça ou... Et Je après... pense, non, non, je pense que c'est bon. Hein. Et ensuite, j'ai plus qu'à surveiller et le trade part.
OK, j'accélère un peu. Là, vous voyez, j'ai accéléré un petit peu, on est un petit peu plus tard. Et on voit encore à nouveau une réjection. À chaque fois qu'on fait un retracement, comme là, boum, les ventes sont absorbées et on a une réjection et ça repart au nord. Donc ça, c'est un price action bullish, extrêmement bullish. Il y a une pattern order flow d'absorption des ventes au marché, un price action bullish. Et en plus, je sais qu'il y a des stops au-dessus. Donc, je suis entré en position longue. Je te laisse dire ça. OK, so again, we have seen all those rejection, absorptions, phases, and so that's why Jean-Marc was long. And, additionally to the setup on the open with the test and drive. So here you see the stops are identified on the top, so that's why Jean-Marc is long. OK. Et ensuite, je surveille toujours mon carnet, toujours Bookmap pour savoir si je reste en position. Et ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que à certains moments, je constate ici que il y a sous les prix. Ici, sous les prix, on a un large lot tracker, ici. Vous le voyez, Corail, on le voit bien, les 822 contrats, avec un gros acteur qui prend les trois quarts des 822 contrats. Les prix se présentent dessus et vous allez voir, on voit un reload des ordres limites et ça confirme, je remets en route la vidéo, ça confirme qu'on peut rester en position. Voilà, j'ai remis la vidéo en route, c'est bon? Oui. Vous voyez, à chaque fois que les prix viennent frapper les 800 contrats, là, on a un reload des limit order. Donc ça me confirme que je peux rester en position. Il y a toujours une pression bullish. So the presence of this major player just below the prices, and each time the sellers want to step in, basically this player is replenishing the bid, shows clearly that it's a good idea to stay in the trade, long in the trade. Et de viser le stop running, OK. Et vous allez voir, il va être très agressif, il va revenir, là, le gros acteur va revenir, regardez bien. Vous voyez, là, on hit the bid. Et boum, le gros acteur revient. Vous le voyez? Vous voyez? So do you see this large buyer is back each time the et ça c'est très 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 important. Ça confirme que on peut tenir le trade. On peut rester en position et viser plus haut. Et dans le footprint, c'est pareil. Dans le footprint, on a énormément d'achats agressifs. Vous voyez, tout ce qui est en bleu là, le footprint confirme que les acheteurs sont très agressifs. Alors, on a un gros acteur qui achète avec les ordres limites ici et qui recharge ses ordres limites. On a une sorte d'iceberg ici sur 47,25 et on a des acheteurs qui rentrent agressivement derrière. Donc, on tient le trade. So the footprint confirms that the buyers are dominant, and so the buyers are aggressive. The bid is replenished. I mean, everything is gathered to keep the train. Voilà, et on va rentrer dans la seconde poche à stop ici, et les prix vont accélérer, jusqu'à arriver jusqu'à
53, 54 en fin de journée, alors qu'on a démarré vers 43. Je te laisse dire ça. So and the prices will go into the next stop area and will accelerate and Regardez, will end up regardez. this movement with an approximately 10 points move on the S&P. Vous voyez cette agression, ce layering juste sous les prix, cette stratification d'ordre limite juste sous les prix, ok, et cette agression des acheteurs market qui lift l'ask pour rentrer dans la seconde poche à stop. Regardez cette espèce, encore ce gros acteur, le même, qui suit les prix, juste sous le current bid. Et à chaque fois que les prix reviennent dessus, boum. Il achète, il achète, il achète, et les prix repartent ensuite derrière. Donc là, on a un gros, gros acteur qui achète tout. Tout ce qui se présente au bid. Et ça, c'est une pattern de continuation très importante. Et voilà, le setup est là. Identification des poches à stop, identification de la position des poches à stop, identification du type d'open, identification de la localisation de la prise de position, et identification du setup potentiel de stop running, et ensuite, on se laisse porter en surveillant Bookmap. So it's all here, and you can see still the layering below the prices, continuing to push the prices up. So everything was here, and everything is here, basically from the start with the open, with the preparation of the session having shown that we have this poor high, we have this potential stops area, and so once you jump in, then you basically just let the market do its job and then stay on board as long as the scenario plays out. Voilà, c'est tout. Je vais directement à la fin de la vidéo. Regardez, ça continue. Ça continue. Vous voyez, ça, à chaque fois qu'on revient, on fait des petits putbacks, les prix les ventes sont absorbées. OK, là, on a à nouveau un petit pullback et les ventes sont absorbées, ici, encore. Et derrière, les acheteurs reviennent et les prix vont continuer. Et donc, on est toujours dans le setup et on tient le trade si on est patient. Et à la fin de la journée, on est beaucoup, beaucoup plus haut, hein. Je vais aller directement à la fin de la vidéo. Ta, 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 on passe tout. Voilà. Là, on est à la fin de la journée. OK. Vous voyez l'écran où il n'y a que Bookmap. Oui. On est entré ici. Les poches à stop étaient ici. On voit plus ta souris par contre. Attends. Ah oui. Ici, ici. Et on a eu tout ce mouvement de hausse derrière avec tout notre travail avant l'ouverture de contexte marché et tout notre travail de lecture du price action et de lecture de l'order flow dans Bookmap qui fait qu'on a pu faire un beau trade. Voilà, tu peux traduire ça, puis c'est fini. Yeah, so you see the entry location and what the day has been doing, I mean what the session has shown, and all this hints and pre-market analysis and combination with what you see then in the order flow, etc., makes it for a good trade. And that was a good day, I think, for Jean-Marc. That's it. C'est fini. J'ai fini, Bruce. Okay. All right. Wow. That was excellent. No, Jean-Marc, thank you very much. It was very, very thorough and excellent understanding of what you use, what you're looking at, the setups. Yes, it's very, very clear. I have all sorts of questions for you, and a lot of people are requesting your PowerPoint, if you could get to them. I think, you know, we've been going on for
quite a while here. So I'm wondering if you wouldn't mind, perhaps we can take all of the questions and I can forward them to you, if that would be okay. C'est-à-dire, j'ai pas bien compris la question. Comme ça fait un moment en fait, ça fait un moment déjà qu'on a démarré. Est-ce que il peut peut-être t'envoyer les questions? Oui, c'est pour ça. Je vous mets mon mail là. Vous le voyez? Trader6752@gmail.com. So for any questions. Donc, si quelqu'un veut le PowerPoint, il m'écrit à ce mail. Si quelqu'un a une question, il m'écrit à ce mail. Et si quelqu'un est intéressé je fais une formation à Paris en live, les 3 et 4 juin, il m'écrit à ce mail. OK, I think I got it. I'm not sure, but I'm just going to go with, I'm going to take the email here and I'm going to put it into the chat. You can follow up with Jean-Marc via the email and the request for the PowerPoint there as well. Corey, you want to translate my translation? Oh, I think it's Jean-Marc got it. what he told us basically, yeah, for any question about this, anyone willing to have the PowerPoint or anyone willing to have more information about the teaching he's doing in June, basically use this email. That's it. Okay. I'll put that into the chat. So all of this information, everybody, it's in the chat box there. So you can see it there, and you can copy it and paste it as well. Je vais mettre mon mail dans le chat. J'écris mon mail dans le chat. Et Bruce le fait aussi de toute façon. J'ai mis mon mail dans le chat. Okay. Yeah, I've got it in there, Jean-Marc. As well, here is his YouTube page and Twitter handle. Alors oui, il y a ma YouTube page. Vous pouvez me écrire en dessous mes vidéos dans les commentaires. You can ask anything to me on my YouTube channel on the commentary. C'est ça? Yeah, on the comments. Yeah. You can ask me everything you want on my YouTube channel. Okay. I think that's it. Jean-Marc and Corre, I mean, just excellent job, Corre. I don't know how you did that, to be honest, but. I do the same every day, so it's quite natural, you know. You speak the same language. The strength of mine. The friend exactly. So he knows everything about my methodology. Yeah. Well, that was excellent and very thorough and very solid information. A lot of people have commented here. This is very solid information that they like very much. So you. And tu peux lui dire, je suis resté simple et très léger. Yeah, and I can confirm that that's also a comment of mine. He's stayed really, really, you know, on the top layer of the comments and kept it as simple as possible. It's sometimes much more in depth and much more complicated when you discuss with him. And well, I do it sometimes on a daily basis on a chat we use together. So, yeah. Okay. This one was. Simple, let's say, yeah, and not so much in depth. it's still though, it's so helpful for everybody to understand how to integrate this tool that shows very very objective information. Mais we can, tu peux lui dire qu'on peut refaire un webinaire quand il veut, et je pourrais parler de plein d'autres choses avec Bookmap. Jean-Marc proposes, obviously, I mean, anytime he's able and willing to make other webinars on other market situation or other setups using other patterns. So
you have a multiple different setups to show, explain, and comment. Yeah. In fact, I saw the list of the things, setups that Sean Mark is looking for. It's extensive. It's great to have a presentation from a master such as him. So yeah, thank you very much, guys. It's me. Thank you. You're welcome. And thank you again. Yeah. Thank you, Corai. Thank you, Bruce. Thank you, everybody. Yeah, and we would love to have you again as well. Okay. No problem. No problem. Okay. Maybe if I add time, maybe a little scalp in real time. Maybe. Yeah, that would be a treat. Yeah. Voilà. Okay. All right. Well, thanks, guys. We'll wrap it up, and everyone have a good weekend, and we'll catch up with you next week. Tu vas mettre la vidéo sur la chaîne de Velox Pro? I will forward the video to you. Okay. Merci. Thank you. Okay. All right. Bye bye, everybody. Thank you. Goodbye. Bye bye. Goodbye, everybody. Thank you.